زول فلون، مرحبا يا سوان، سلامات سيري ما كان تبغى. اونفان باراي اون ماتون تنش تلاجه لا بروميير سورتي ميدياتيك، لا بروميير لي بروميير ديكلاراسيون ان جوزي ريغا انسيان اناليزي لي ديكلارات ديك لي ديكلاراسيون ينس باسكو يهضر دا فخيل خلال شوال ينات خلال شوال مزمر عندنا وين كونكلوزيون لا سنات لي كونكلوزيون. الحاجة تم زواروث سي كو يتمدو دون ايماج دو كالكان كي فريمون كونسونطري في خديميس يظهر هذا الشيء قلنا شي ولاش ميم دان بوان دو فيو تاكتيك ميم دان بوان دو فيو ان لي ديفيكولتي تاعي تاع الكلوب ميم دان بوان دو فيو بيني لهان et Wayne et Fouhon et d'un point de vue dans l'historique et du côté les problèmes qui sont dans les réussites 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 de la déclaration de la sortie médiatique c'est quelqu'un qui gère le sujet et deuxièmement c'est aussi les gars qui me donnent l'image c'est quelqu'un qui gère le sujet. C'est un très bon communicant, hein, José Riga, mais c'est quelqu'un qui est un consultant, c'est quelqu'un qui est de l'équipe comme formateur de la Belgique. Quand même, il a un statut, quand même, il s'en a des communiqués, il s'en a des communiqués, c'est une force que ça a José Riga, mais Adnini Aïrar, il a dit toutes les choses. Igelaqan activité en réalité des championnats en Algérie et du football algérien quand même quand tu parles d'Algérie championnat il y a beaucoup de choses à retenir donc tu t'arrêtes like et t'abonner à la chaîne vlog عندنا وغالي عندنا هضره في لي ديكلاراسيون كونسيرنون ليفيكتيف الستاج لي جوار ريكروتمون خلا خلا الشوال امام ميسني مدينا الى قلي سيبورتور دايرين لك ود ليكيب يا اون ديكلاراسيون تولي غالي امبورطونت تاع مليح المعنى هضراتي توجور ذاكي توجور ذاكي دوبوي اكس طون دوبوي اكس طون قسميت تواخدم لا شين كينا وانت غاد في الناس سي لا نوسيون ديال الوقت قبالو قرت توجور باش تخدم هضر شغل الى قند الى قل الوقت جو بونس كو لا ديكلاراسيون كان جوز ريغا سي لا دانيير ديكلاراسيون يدي خدم ديال دي 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 البوان دو باراساكي اي ريزوم ريالمون لو بروبليم يس عند لي سيبورتور نا غتفهمن الفوتبول البروبليم يس عند لي سيبورتور نا سي بور سات ريزون كون لي مانيبيولي كوني مانيبيولي سي لي سيبورتور كل لي كلوب ما بارو با لا جي اس كان لا جي اس كان البوانيس مي اس دنسي لا دنو غالا دنيني يا مو فلاس باسكو سي اون ديكلاراسيون امبورطونت vite que connaît Manchester United. Est-ce que c'est un problème de moyens? Non. Est-ce que c'est un problème de retrouver le lustre d'antan? Oui. Regardez Arsenal, le trou d'air qu'ils ont connu, avec des joueurs de qualité, avec des infrastructures, avec tout. Rester au sommet, c'est le plus dur. Se donner le temps d'y arriver pour y rester longtemps, c'est ça. Doit faire. Et pour ça, il y a une notion que les gens oublient dans le football, c'est le temps. Donc donner le temps. Tuma, nous recouvre ça. Ou de quoi garde ce tourage dans une chérie watanie. Une voilà des clubs qui sont des entreprises de guider le Zaïre. Ne font pas des résultats. Ils produisent pas un bon football. Et l'Afrique, à l'échelle internationale, c'est pas des clubs qui travaillent together. À part Steve, et c'est une équipe comme la GSK, on sera une entreprise, on sera voilà, on sera le CSA qui est majoritaire. Mais, on a toujours fait le temps. Et José Riga, on a dit même, il a dit, on a la vanille, il est mort. On a la vanille, mais il est déjà la GSK. نوالا سوايح نهضر في سوايح جوزي لي كاع ملي زونترينو كي قعدنا ملي زونترينو كي راه يعدين
Ben, dès le début, il y a des entraîneurs qui sont compatibles, il y a des entraîneurs qui ne sont pas compatibles. Voilà, Midegeni, c'est quelque chose d'égal. Par exemple, l'exemple, l'Européen qui soit mis. Par exemple, Gattuso, à Tuareg, ce n'est pas un entraîneur qui est compatible avec telle ou telle équipe, alors que c'est un grand technicien, un grand tacticien, Gattuso. Parce que l'histoire est 15 de joueurs. Et regarde, dernière chose, c'est qu'il va arrêter de juger l'entraîneur une semaine, il va arrêter de juger le match, il va arrêter de juger 10 journées. Il lui faut du temps, il a cassé le temps pour être jugé. Donc, quelque chose, regarde, dès le départ, ça a les doutes avec les capacités. Ça a les doutes actuels, n'importe quel entraîneur des scènes, mais il a jugé tout là. Il a cassé le temps. Et c'est que c'est la première chose. Et concernant le stage et le déroulement, le stage à Guy, on a droit de net blé. Bon, à ce après de nous Et il est clair que ces deux stages m'ont permis évidemment de découvrir les joueurs et eux de découvrir mes méthodes. Comme je vous disais tout à l'heure, l'important c'est qu'à un moment donné, on se rencontre le plus rapidement possible avec efficacité. Les conditions de travail, certainement ce dernier stage était très bonne, le premier aussi, mais il est clair qu'on est ici dans un environnement propice au travail avec toutes les facilités. Et donc voilà, on s'est appliqué essentiellement à se concentrer sur le travail, ce que les joueurs ont fait, avec une seule après-midi chez eux. C'est ma le deuxième stage que j'ai fait, le premier stage. Je pense que Smith et Denena, c'était pas Machid Rive. C'était une catastrophe le premier stage. C'est un environnement propice au travail. Ça veut dire que le premier stage, il laisse l'environnement propice au travail. Des joueurs disent que c'est une catastrophe, il n'y a personne, il y a une débâcle totale. Et voilà, deuxième stage, c'est quelque chose dans des meilleures conditions parce que tu travailles dans un lieu, tu as des moyens, tu as des infrastructures, tu as des choix, tu cherches. Et donc, c'est. Il y a le premier stage et le deuxième stage, le deuxième stage, il est. Pour moi, il est réussi. Mais le premier stage, c'est une catastrophe, c'est une honte, le premier stage. Le premier stage, il est GSK, stage, que je préfère, c'était prévu de le 2. Directement le début du deuxième stage. Et tu vois, tu vois, les joueurs de les dirigeants, les voilà des images qui sont quand même assez ridicules, quand même. Et Mad nous a le côté tactique, et Feinig garder, au Feinig améliorer, je pense, le Rachouk. Les difficultés de la GSK depuis le départ, et l'Indien depuis le départ la saison face à des équipes qui défensive dans un championnat ultra défensif. Et je pense que c'est les choses des gars, après de nous aller l'analyse. C'est il faut qu'on garde la qualité défensive de l'équipe avec une vingtaine de clean sheets l'année passée, avec le titre de meilleure défense. C'est quelque chose à laquelle on doit vraiment s'attacher et reproduire, je dirais, les mêmes prestations au niveau défensif. Maintenant, ce qu'il faut qu'on trouve, c'est le moyen aussi, peut-être de manière plus efficace, de contourner les blocs bas, comme c'est souvent le cas quand les équipes viennent à la JSK. Et c'est exactement ça, les blocs bas, mais c'est vrai, c'est souvent. Le problème, c'est que les blocs bas, c'est une loi dans les championnats. Je pense qu'il y a des gens qui ont fait la soit il a fait quand même des erreurs, il début de saison, il n'a pas su maîtriser les équipes, les équipes qui sont blessées, les équipes. Et toi, à un certain moment, il y aura le même temps. Il a trouvé un moyen de s'adapter. Et c'est tactiquement de l'Hadj Al-Ali. L'aspect n'est bloc médium. De l'Hadj Al-Ali. Mais le championnat d'ailleurs, avec les équipes de la 20 blocs bas, surtout quand tu as la GSK, le CRB, le Mouloudia, des équipes. Tizi Ouzou surtout, Mouloudia tu l'avais bloqué par Terbhar, Lusma tu l'avais fait crève Terbhar, mais difficilement d'égaliser.
خصنطينا نولا عم يخ تربح سي ار بي نولا يا ماتش ميتو مينابل بسكرات بوي ان بوان يا بوكو ديكيب يقولون ان بوان دو بوان الاربعه à cause d'un système again. Donc il faut trouver les moyens pour se contourner dans le système again. Malheureusement, c'est le football moderne. C'est le football moderne, mais c'est le football académique, il y aura le moderne. Parce que toutes les équipes, tu vois, c'est la vente en transition rapide, c'est la vente vitesse, c'est la vente en bloc, après se projeter. La preuve, Real Madrid aime quitter pour la Ligue des Champions avec un système défensif, ultra défensif, sur le contre. Une occasion, deux occasions, afin de marquer, saisir l'opportunité. Même si voilà, Real Madrid, c'est pas les bons exemples, mais uniquement d'un scan, la capacité qui donne le football, il a dans un système de possession, c'est plus de la vitesse. Et il a évolué la GSK, mais chaque match, c'est pas qu'une question de système. Je pense que José Rega est fermé. C'est une question d'être prêt au bon moment, qui dit de la déclaration, avoir la chance, mais provoquer la chance née. Mais Marek de l'occasionner le but, marqué. Ben oui, mais de l'occasionner être marqué, marqué. Après, le championnat d'Azer, nous avons raté le canon, nous avons fait le deuxième roi, nous avons marqué 0, il a 80% de chance de faire. C'est, nous avons marqué 2 buts, la remontada, c'est difficile. C'est difficile, mais c'est une bonne chose vu que José Rega est femme chorégui. Et est-ce que tu auras dit que tu auras la théorie? La preuve, c'est qu'il s'analyse les choix, tu fais un mi-cent. Des fois, un quart de choix, la majorité du temps, tu analyses les matchs. Tu vas toujours la bonne analyse. Mais la pratique, tu pousses l'équipe qui se défendait bien, tu sers l'équipe qui s'attaquait bien, tu sers une animation de jeu. Réiline contre les blocs pas, c'est un autre travail, Wagi. Les Khdem, c'est pour ça qu'il est toujours les entraîneurs, Mithnen, critiquent toujours une séquence d'une marge. Une marge, Béchat, critiquent. Parce que Khdem, il est arme, pour un entraîneur, c'est encore plus difficile qu'un joueur. Un entraîneur, la pression qu'il laisse. Parce qu'un joueur, il peut rater un match, il peut rater deux matchs, mais l'entraîneur, il rate un match, il rate direct. Tu vois? Et ça, c'est ça la chose la plus importante. La plus importante, c'est fin Haddad. Et il y a le recrutement. Il y a un problème. Je pense que c'est à d'une intervention. José Riga, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs. Il dit Houssen. Houssen, après là, les joueurs glingués, on a le poste. Recruter uniquement pour recruter, et José Riga. Un joueur, quel que soit le poste, certainement dans des postes où peut-être il y a un besoin plus important, il doit être meilleur que le nôtre. Additionner des joueurs pour additionner des joueurs, ça enlève une concurrence saine, ça provoque dans la file de wagons un certain nombre de wagons vides que la locomotive doit quand même tirer. Donc voilà. Il est... C'est mal recruté pour recruter. C'est ça le problème. Non, nous connaissons les bons joueurs. Tu vois, l'entraîneur, il a signé. 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 C'est lui qui va décider. Mais c'est lui qui va décider. Et c'est ça le plus grand problème. Il a le football nord, le club de la GSK et dans tous les autres clubs. Donc, cela, c'est l'entraîneur qui doit décider quel joueur à DSN, quel joueur à Rohan. Même si. C'est quand même une communication le club. Donc, la communication le club. On va attendre le premier point de presse. Béchadir, les questions avec les départs. Certainement, les jeunes Nigarohan. Il n'y a aucune question qui doit poser avec les jeunes Nigarohan. Il y a une question, Zmer Ghalati, puisque Zmer c'est avec les déclarations. Zmer l'ensemble l'ensemble dans la communication puisque je pense que à un certain moment José Riga une
اشتكي كل شي بول اشتكي كل غاشي كتاب يعني اشتكي كل غاشي كسبو تلاجي اسكو دار 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 فو سيرو سيرو يا نو ميسنا دي هضر سي ان تري بون كومينيكون دي الدنيا مي نوالا بلي ناد بلي تو تي بيان تو تي بون اكتويلمون معناها على بروميير بروميير سكوس فوالا بروميير توربيلونس نوالي اسك ماشي خلار ولا انا امي متوكر نساكات دونك اون اسبير اون اسبير هذه غلط هذه غلط باسكو ولا سكو ساكيني عدان يا يو دو ديميسيون كومام من لا ديريكسيون لا جي اسكا دونك اون اسبير هذه غلط انت كو يا ريشان يبقى با ديميسيوني على سامبل توربيلونس كي تدينا جوز دي ريكا يل سي كو هذه لي توربيلونس سي تو تافي نورمال توهم غير غاشي On va prendre l'exemple Karim Ziani par exemple et José Riga na Rachid Youssef na Gouessega la Jaska ou sent la première déclaration sen et kinin ou sent ana wili titre un que le titre une semaine après dia ou la stade dia wili kasta dna mchi gasini balak balak on lève bien ça c'est bien quand du sert de partenaire l'objectif na on lève de bien et José Riga il est vrai de wili titre mais je suis réaliste et donc les supporters messen dinel La Jessica va vivre des moments difficiles financièrement. Et qui est une c'est une réalité. C'est vrai, c'est notre vrai. Tu as dit la souhaite. Tu as dit la souhaite. Tu la veux ou non. Tu as dit la réalité. 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 Tu as dit Il avait le sens de la surprise. Des choses à l'écoute. Il rentre parce qu'il n'y a pas d'assurance financière. Il y a des problèmes dans la gestion et des problèmes même dans les vestiaires dans le Fles. Donc ça, c'est une réalité. Et donc, je ne m'adresse pas aux supporters. Vous allez appeler le rachat que vous allez. Donc je m'adresse. Et vous avez dit qu'il y a des gens qui ont des gens qui sont à la presse, les médias, les réseaux sociaux. On s'en fout. On est gardé là. Et je pense que José Rigas et la convocation à Sgirli, il a fait quand même il a dit quand même de bonnes choses. Tu vois, un salam à Dikhdem, un salam à Sjina Dikhdem, un salam à Diaf, les moyens de Dikhdem, un salam à une réussite vite. Pour moi, qui est né, salam à dire les premiers matchs, dire Hichil par exemple, à dire Xantina, à dire Ouzo, deux victoires. والله برايز ما دير بحد ازما ازما خاص يخسر لي سما انا غاز برا ادي في ان مويان كي دير ريسبيري اون لوي سوات ان ديبار اكني لاق الحال باش خاطر كي يمكن ينضرب اللي تخسر ولا اللي ندي لافاني نوريك لا سيزون كي خميلا جي اسكا اكسيبسيونيل فيناج دو كوب دافريك فانكور دو لا كوب دو لا ليغ كاتاريامي شامبيونا افيك بلوس دو سيكونتين دو ماتش يا لا سيزون كومبليت يروح لي سما طروا ماتش لي مونجي C'est difficile de tirer dans l'entraîneur de l'Ilzaïr. Voilà, on va faire ça. Je vais vous donner une déclaration de José Riga. J'aurais pu être comme la vidéo est gagnée d'avoir encore plus appelé déclaration. Mais il y a un chemin d'année. Puisque le PC de Gizmer est là, mais la caméra de Gizmer est enregistrée. Donc, c'est un petit problème technique. Mais bon, on est de l'ensemble, grosso modo, d'Ainik Vadi et José Riga. Sur le point de vue tactique, technique et la gestion des rentes et les problèmes que je me à l'avenir. Voilà. Merci.